Je dois aller chez moi. On va refaire le lit. Oh. Voilà. La 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 la. Une arrière-croûte, ça arrive. Ah, j'ai faim, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour me nettoyer le cœur? Oh! Oh! Oh non, c'était pas pour ça. Pas de double épaisseur. C'est un mot. Bonjour, ah ben, on est pâté avec Grégoire, la santé commerciale. On revient tout à l'heure, mais ça va prendre du temps. Tu auras toute la journée dans la maison, toi toute seule. J'espère que tu t'amuseras, ma petite bubule, ne t'inquiète pas trop. La porte est fermée, ne l'ouvre pas pour pas que des inconnus viennent. Signé la Grenoble. Quelle pétasse, celle-là. Bon ben, j'ai la journée toute seule, je suis libre. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Fermer le frigo déjà. Eh merde! I wanna dance on the left, you and me alone. I wanna cut to the phalang. Oh yeah, 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 whoa, baba. What the feeling? Je dis que c'est de l'arnaque pour Lanta là, parce que moi-même j'arrive pas à survivre sans manger pendant un jour, alors eux, c'est de l'arnaque, moi je dis, voilà, c'est de l'arnaque, voilà, parce que Abel a toujours raison. C'est caca là. Bonjour, bienvenue chez Abel Abominable, la pétasse de la Gouna et toutes les autres ghouls. C'est que... Bande de petits cons. Ça me saoule de regarder Gorlanda. Bon, moi, j'allais faire caca encore une fois. It's raining tacos from out of the sky. Tacos. No need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. It's raining tacos. Out in the street. Tacos. Senti comme une présence bizarre. Ah non, j'ai juste pété. Oui. Je suis maintenant dans la chambre. Je vous trouverai vite fait cet objet. Ne vous inquiétez pas. Si vous, parce que sinon, on peut vous éliminer de la planète. Et vous n'aurez pas l'argent comme contenu. Oui, aucun problème. Bon, allez, au revoir. Je dois trouver cet objet le plus vite possible. J'ai quand même pas pu le cacher comme ça. C'est quand même une conne. Je trouve rien du tout. Bon. Mets-toi à la place de Abby. Si tu étais... idiote, moche, grosse, encore idiote, et encore moche.
Et encore idiote. Où cacherais-tu un objet d'une valeur inestimable de 1 million de monster dollars? Faut que je me cache. Allô, ici maman belle à Palais. Oh, Dracula Lola, c'est toi. C'est pourquoi? Pour me dire que t'es content d'avoir une nouvelle robe à la coop de la centre commercial et sans être venu sans moi, peut-être pétasse? Ah oui. Tu m'as acheté un truc, c'est vrai. Je t'adore. Merci, Dracula. À quoi c'est Laguna qui me l'a payé? Je le savais. J'adore Laguna, tu le sais très bien. Quoi? Ouais. Le truc pour Claude. Trouve au marché à 2 €. Ouais, je l'ai, t'inquiète pas. Mais toujours là où personne ne peut l'avoir. Et je m'habille et je te rejoins. Bisous. Des petits poteaux. Je les mets dans ma petite collate. Là, bon. Je vais la m'habiller, moi. Maintenant, je sais où il est. Le collier dans le sac, je peux pas t'aider. Qu'est-ce qu'il y a, Dracula? Je sais pas, c'est Abby qui a le collier que je veux offrir à Claude pour son anniversaire. Oui. C'est pas que j'ai pas confiance en elle, mais c'est Abby quand même. J'ai peur qu'elle n'arrive pas avec le collier. T'inquiète pas, c'est pas comme si elle allait le perdre ou comme si quelqu'un allait le voler. Bon, tu devrais mieux aller te changer. Tu devrais faire belle pour ton petit Claude. Bon, je vais pas stresser pour ça. Je vais mettre la robe que je viens d'aller d'acheter. Au revoir. Bon, moi, je vais aller chercher les goules. Ah, la statue de la liberté. J'aurais ce collier, coûte que coûte. It's raining tacos.